Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld, une nouvelle série en multi qui va commencer sur Palworld. Donc, le multi va commencer dans très peu de temps. Donc, là d'ici quelques minutes, notre premier ami va commencer. Donc, pour vous dire la vérité, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très honnête, je dis la vérité. Donc comme je vous disais, on va pas vous mentir, on a fait une partie juste avant, enfin sur plusieurs jours. Donc on était assez avancé dans le jeu et tac, accepté bien entendu. Et du coup pendant que je vais faire ça, je vais vous dire en même temps, j'ai eu quelques difficultés avec mon rec, vu que vous allez voir que la qualité de la vidéo aura augmenté et va augmenter au fur et à mesure. Tout ce que je vais commencer à faire va augmenter. Donc forcément ça a pris quelques petites tournures désagréables, parce que le rec il était bien, il était propre, sauf qu'il y a eu une corruption avec mon disque dur ça s'est mis sur mauvais disque dur. Du coup c'était un peu chiant. Donc du coup j'ai dû on a relancé un autre rec où ça avait été sur mon disque dur de 1 Tera. Et à ce moment-là, le son du jeu était bon, mais le son des micros n'était pas bon, que ce soit le mien ou tout simplement celui des copains. Il n'était pas pris en jeu. Donc là, normalement, tout est bon, tout est réglé. Normalement, il n'y aura pas de problème concernant ça. D'accord? J'ai fait les tests, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc on est bon. Et on va pouvoir lancer une bonne petite série sur ce jeu. Donc à savoir que là, maintenant, à l'heure actuelle, voilà, on voit Fafi en bas. Donc mon cher ami Fafi, d'ailleurs, je tenais à m'excuser auprès de Marwen et Fafi, parce on avait déjà fait des recs. Et ces recs-là, on a pris quand même pas loin de 2 heures, donc je peux que m'excuser auprès d'eux pour les recs qui ont été baisés. Mais du coup, les amis, on se retrouve tout de suite avec Fafi en vocal. Ouais, Joseph, on va faire ça tranquillement. il me faut une hache absolument. Ah, bah qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, c'est pas le moment que tu viennes nous voir. Plus tard, mon garçon, Oh plus oui! tard, plus tard. Plus tard, mon garçon. Reviens plus tard, sois sage. Oh le bâtard, il vient nous larguer lui aussi. De quoi? L'autre là-bas, là, ouf. Ouais. Faut juste espérer qu'on n'aura pas le gros sac qui va venir nous casser les bonbecs, c'est tout. Putain, du coup, j'ai rushé comme un couillon, j'ai pas ramassé beaucoup de bois. Ouais, là, je viens de mettre en colère des chats. Qu'est-ce que t'as foutu? Il a peut-être mangé quelques petites calottes, c'est Quelques peut-être pour petites ça qu'il patates? est. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est en colère. Du coup, l'atelier, tu l'as mis là-bas, tac. Mais elle tient en face du mien, par exemple, une bêtise dans le genre. Tac. Voilà. Alors je l'aurais pas mis là, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, on les démontrera On comme on le veut. démontrera au besoin. Ouais. Alors, hashtag. Ok, ensuite, bam boum boum, technologie, Il me manque du paf. bois, Ken. Du bois, Ken. Tu es fada. Et tu permets, oui, je suis en train de travailler. Tu es fou. Alors, hop, la sphère de pal. Clac, 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 clac. Hop, voilà. Ensuite, il me faut un mouton. Tac. Je reviens. Je vais m'attraquer un mouton, j'arrive. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il faut débloquer la technologie des pales. Enfin, des. Oh, une âme de petit pal comme ça à côté de la baraque. La boîte à pales, tu l'as faite ou pas? Non, pas encore, pas encore, pas encore. Justement, c'est pour ça Tac. que ton élément kikine la vie, mais on fera avec. Allez, sois capturé. Éclat, ok. Voilà. Ouais, t'es déjà parti en capture 1. Ouais, j'ai récupéré vite fait un petit mouton là. M'occupe de la boîte à pales, pété premier niveau. Ouais, bah, je suis level 3. Faut juste que je fasse le Pareil. tuto.
Bah, c'est ce que je fais aussi. Ah, il faut que je consomme un truc. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, B, boîte à PayPal. La boîte à PayPal. La boîte à PayPal? Ouais, moi je suis comme ça. Faire une boîte à PayPal. Ouais, non, t'as pas le check. Dans l'avenir, j'espère qu'ils feront en sorte qu'on ait le tuto que pour une personne. Parce que ouais, là, ce serait bien. Là, ça devait. Là, avec l'avancée que j'ai, technique. Hop, structure, c'est fait. Vieil arc, bim, flèche, bim. Les plumards, le tissu. Ah, tu t'avais. Tu t'occupes de faire les vieux arcs au pire? Ouais. Après. Je vais sortir une boîte vite fait. On va juste me manquer du textile. Tu peux m'en donner du textile s'il te plaît? Ouais, un instant. On va faire plus simple. Je te fais une boîte, je vais te mettre tout ce que j'ai dedans. Tac. Max, hop, je vais faire. Attends, non, annuler. Hop. A savoir, les amis, que là nous sommes deux pour le moment. Mais en temps normal, nous sommes. Nous sommes 4 au maximum de notre performance. Nous sommes 4. C'est pour ça que là on est que 2, mais peut-être que dans le futur vous me verrez soit tout seul, soit avec les deux autres personnes, soit même avec une seule personne de ces deux-là. Je pense que vous verrez très, très rapidement qui viendra nous rejoindre dans la série. Yeah. Tac, viens récupérer ton arc, mon jeune ami. Ouais, j'arrive, mon jeune ami. Je voulais dire mon vieil ami, mais. Tu peux le dire aussi, tu sais, moi. J'allais dire la 45 ans, c'est pas vieux, quoi. Bah non, je suis pas vieux. Je suis en pleine possession de mes moyens. Et surtout que tu n'as pas 45 ans. Bah bientôt. Non, pas encore. Si, si. Ah, si, si, mon gros, hein. Attends, t'as pas 42? J'ai 44, moi. 44? Oh, je disais ça à la base pour rigoler, mais je me rappelais plus que t'étais aussi vieux. Ah, mais je vois que tu connais tes potes, hein, ça fait plaisir. Oh putain, si je devais tous les connaître d'un coup. Tiens, regarde, je t'ai mis mon mouton pour qu'il file un coup de main. Ouais, il m'a bien aidé d'ailleurs. C'est tout l'intérêt. Ouais, t'imagines, toi, si genre. On m'a rappelé du linge d'Antares, Garilis, Berthier. Ah, mais c'est pareil, je me rappelle plus. Bon, Berthier, c'est facile, on sait que c'est le vieux. Ouais, c'est le doyen, c'est ça. Moi, on sait parce que c'est moi le master. C'est moi c'est moi le king. Ah, excusez-moi. Alors, un éclat. Tac. Là où on va manquer. Mais du coup, il faut que je te montre. Mince. Je vais te faire 6 flèches, mais ouais. Il me faudra d'autres ressources pour que. Mais t'inquiète, ça arrive, regarde. Tu puisses en avoir. Il faut que je te montre la créature dont Charlotte parlait, parce que je te jure que cette créature. Ouais, je comprends même pas pourquoi. Je l'ai vue, elle m'en a parlé. On n'a pas pensé à la prendre. Alors là. Je te jure, mon gars, c'est n'importe quoi. Tiens, tu vas pouvoir bosser. Accès à la boîte pour appeler dans le camp. Hop, tac. Accéder à l'inventaire, commencer à consommer de la nourriture. Moi, c'est déjà fait, il faut que je fasse le renforcement. Mais d'abord, je travaille. Tac, normalement, c'est bon. Comment je vais pouvoir travailler? De toute façon, il va falloir qu'on fasse masse bois pour faire la baraque. Bah, me voici niveau 4. Faut regarder voir ce qui nous manque pour la maison, enfin, pour améliorer le. Pour améliorer notre boîte à papal. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Des pales actifs sur le camp. Ah, comment ça? Je ne m'a pas compté. Bon, vas-y, pose-toi, dépêche-toi. Merci. Tac. Hop, voilà, c'est amélioré. Parfait, du coup je vais pouvoir mettre boule de poil.
Non mais je l'ai re-rentré, pour l'instant on n'a pas de plumard donc. Ouais, ouais, pour le moment ils vont pas chialer, hein, t'inquiète. Ouais, mais je préfère éviter pour l'instant. Tu le sors avec toi, c'est tout aussi efficace. Ce que je vais faire, c'est faire quand même un banc de réparation. Ouais, vas-y, de toute façon là je vais sortir la maison assez rapidement normalement. Voilà. Ah, y'a plus de bois! Y'a plus de bois! C'est peut-être ma faute parce que je fais le banc de réparation. Y'a plus de bois! Grave blessure, grave blessure légère. Ah ouais, c'est eux, je vais les rentrer parce qu'en vrai, vu qu'ils viennent d'être capturés. Ah oui, c'est pour ça. On va peut-être t'éviter. Et si je pensais à mettre mes stats, ça pourrait être pas mal, non? Ça serait une bonne idée. Hop, alors on va mettre déjà 2 points dans le transport, 1 point dans les PV, et on sera bien. Là, l'intérêt, je vous le dis, les copains, c'est qu'on speedrun un petit peu parce que ça fait déjà la quatrième partie qu'on commence. Oui, en grande partie, oui. Oui, oui. Donc, bon, j'aimerais bien qu'on puisse avancer un petit peu. Il y a la... Alors, il y a la sienne privée, donc j'ai la mienne privée aussi. Il y a celle où on était tous ensemble. Il y a celle où on a la vidéo. Et du coup, vu que la vidéo, je vous ai expliqué en off. Le pourquoi du comment, bah du coup on recommence là. Bon après la partie précédente c'est de ma faute, c'est moi qui ai pas fait très, très bien mon travail. Oh mais ça arrive, attends, nous ne sommes pas des machines. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis bon mais là c'est pour ma défense, c'était un peu la faute du logiciel. Parce que j'ai vu qu'il changeait, comme je vous ai dit, la qualité de vidéo. Normalement ça aurait pas dû changer le type d'encodeur pour le micro. Et ça l'a quand même fait. Ah, et ça t'a changé de l'encodeur ? Ouais, c'est je ça. Vois le problème. Et du coup, ça m'a foutu. Ça me fait penser, il faut que je regarde mon encodeur vidéo, moi aussi. Enfin, mon encodeur de son, pardon. J'ai un gros doute. Donc, j'étais parti pour... Hop. Les fondations, donc. Nous sommes à 1, 2, 3, 4... 5, voilà, donc j'ai les fondations, j'ai la longueur pour la maison. Hop. 4. Tac. Ah, saloperie. Oh, j'ai trouvé un bug. De quoi? Attends, hop. Ah, attends, je sais pas si c'est vraiment un bug ou pas. Attends, je réessayerai, je te tiendrai au courant. Parce qu'il y a peut-être moyen de glitcher certains trucs. 5. Qui sont assez casse-couilles sur les bords. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est à 5. On a un 5 sur 5 pour le palace. Ça me paraît bien, non? Ouais. Hein? Voilà, voilà. Il me faut du tissu. Attends, lui il est chez nous là. Il vient pas de chez nous. Non, tu peux le récupérer si tu le souhaites. Voilà. Hop. Alors, un beau palace, hein, je vous le dis les amis. Hop. Alors ensuite, on va faire. Construction, c'est parti. En fait, il me manque encore un. Yep. 4, 5. Les murs, c'est fait. Ensuite, tac. Tac. Hop, je lui ai pioché la gueule. Tac. Peut-être changer. Et de toute façon, j'étais en train de me dire, c'est pas vraiment du speedrun, c'est ce qu'on fait normalement de base au début du jeu. Waouh, wow, voyez, non, va-t-on. Bah, d'habitude, on va plus rapidement, on va dire, chercher des on balles. Va se promener, en général, on va se promener plus vite que ça. Hein. Voilà, mais autrement, c'est un peu ce qu'on fait dès le départ. Hein. Je te rappelle que notre ami Charlotte, dès le départ, a construit la baraque. Ah oui! Ah, j'ai plus de bois. Elle a tapé dans le bois qu'on avait farmé. Tiens, récupère ton petit tissu là. Ah, merci bien.
Voilà, ça permettra de bosser de nuit maintenant. Hop, je vais nous faire des boucliers. Yes. On aura déjà la protection de base. Hop. Non, puis avec un peu de chance, je trouverai des œufs potables cette fois-ci. Mais gros, j'y pense encore dans la... C'était une dinguerie. C'est avant qu'on aille se coucher, là. Ah ouais, non, mais... Oh, quel doux moment. Comment est-ce qu'on a sorti deux? Une bonne dizaine, facilement. Oui, parce qu'il y avait des petites merdes et des gros. Là, dans les gros sombres, que de la merde, hein. Ah ouais, non, les gros sombres, j'ai l'impression que pour l'instant, on chope vraiment que du caca, quoi. Bah, j'ai eu des chats. Et plains-toi pas, parce qu'après, avec Serenity, nous, tu sais, on était partis en off et dans une autre vidéo, tu vois. Ouais. On était partis, on avait été dans le domaine du feu. Ouais. Donc, il se trouve à Bubblewood, et il va falloir prévoir une tenue contre la chaleur, parce que là-bas, on cramait. Mm-hmm. Et j'avais ramené quoi, une dizaine d'œufs, tu vois. Lui, il avait ramené aussi des œufs, dont un insane. On n'avait pas pris, on n'avait pas eu le temps de prendre en photo ou quoi pour vous l'envoyer. Et on avait fait, moi j'avais fait clore tous mes œufs. J'en avais eu quelques-uns bions. Et autrement, sur les 10 œufs, j'avais quoi eu 10, bah, sur 10 dragons, j'avais eu 6 dragons de feu. Tu sais, un peu dragon de feu aquatique, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ah, c'est vrai, gros, j'ai câblé. Enfin, allez, vas-y. Bah, tu m'étonnes. Tac. Regarde comment il fait le malin, lui, là. C'est plus le mammouth qu'on a. Ah, c'est l'autre. Bah, en même temps, je préfère que ce soit lui que le mammouth, toi. Ouais. Oui, parce que lui, en plus, il est un peu moins vénère, quand même. Alors, en late game, il est ultra bien. En let's game, quand on commence à avoir d'autres pales de fou. En end game. En late game. Oui, mais en end game, par contre. Ouais, en late game, il est pas. C'est pas une pépite, quoi. Non. Je crois que je me suis un peu trop chargé. Bah, ça m'embête de claquer un autre point là-dedans, donc. Hop. Mince. Je suis déjà à 400 de poids. Au début, c'est largement suffisant. Normalement. Ouais, c'est suffisant. Sauf quand on a la feuille des grandeurs comme un Fafi. Ou comme Lionel. Ça me saoule. Donc, on va faire. Hop, voilà. Hop, jeté. On ira récupérer après. Tu pourras venir récupérer ton bouclard. Magnifique. Ne t'inquiète pas, je vais aller le récup. C'est gentil, merci. Je suis à 452 poids, donc je le time. Ouais, tandis que moi, je préfère me stacker à 400 pour l'instant. Hop. Tu les poses direct, gros, du coup? Deux. Les bois. Tu les mets dans le coffre ou tu veux t'en servir? J'allais m'en servir pour... J'ai un truc à faire, mais t'inquiète pas, je vais te mettre tes morceaux de bois. Que tu vas farmer. Bon, après, c'est pas que pour moi, hein. Oui, non, mais c'est pour avancer aussi la baraque. Ensuite. Hop, voilà, déjà le premier étage est fait. On va faire le début du deuxième étage. Si tu peux sortir un bouton de ta Pokéball pour qu'il vienne filer un coup de main. Yep. Ça serait super. Suffit de demander. Ah, j'ai oublié de faire. Ah bah non, parce qu'il faut qu'on fasse le petit balcon. J'avais oublié. Enfin, la petite avancée devant. Voilà. Alors, en nous aidant, il vient de prendre un level en plus. Du coup, j'ai fait l'or à manger. Alors ça, il va falloir aller chercher tout de suite les fameuses créatures dont Charlotte parlait. Parce que je te garantis qu'elles seront beaucoup plus efficaces que le reste. Oui, bah oui, forcément. Oui, non, mais oui. Mais déjà, faut en trouver, c'est ça le truc, déjà. Ah, mais je sais où les trouver, hein. Tu sais où les trouver, ils sont loin ou pas loin? Ils sont après le long de la plage.
Le problème, tiens, j'ai oublié le coffre, c'est que là on va arriver sur la nuit, donc on va avoir les pales nocturnes qui vont débarquer. Oui, et puis honnêtement, on va peut-être pas y aller tout de suite. Attends, ce que je vais faire, c'est que tu vas mettre où les trucs de bleu Dis-moi. les champs de blé, là, les trucs dans le Les genre. champs de blé, je vais te montrer. Parce que, à savoir que pour le transport des baies, c'est 10 fois mieux de le mettre pas loin C'est prévu. de où ils sont. Regarde bien. Ok, donc tu veux mettre tout ça de ce côté-là. De ce côté-là et jusqu'à derrière. Donc, pour ce faire, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et bah, je vais mettre le truc de nourriture ici. Voilà, par exemple. Et là, tu vois, tout le long, on mettra les champs. Et normalement, on peut presque tout doubler, tu vois. Le calcul était pas mauvais. Je vais commencer par leur mettre de la nourriture dedans comme ça. Ils gueuleront pas. Il faut peut-être des lits, non? T'en as déjà mis. Non, je n'ai pas encore mis, mais j'ai pas encore sorti les boules, les Pokémon, enfin les pales de. Bouge Non, pas, je m'occupe de mettre des ouais. primeurs. Annuler Tac. Lit de fortune, va falloir qu'on s'en mette aussi rapidement. Ouais, Juste. c'est prévu, ça va être prévu. Faut que j'aille refaire du bois, du coup. Ah, dès le J'ai mis un. départ, dès le départ, les bois ils prennent tarif. Hein. Non, mais là, c'est catastrophe. Problème, c'est que faut que j'attende, parce que sinon, on a nos deux idiots qui vont. Par contre, on peut déjà sortir, en fait, des lampes. Sors des lampes balles qui sont à toi, gros. Moi j'ai sorti le champ Non, et mais je veux j'ai. dire. Tu peux déjà mettre des lampe-balles Ah non, le truc. dans la boîte. Ok. On a deux plumards, donc on est bon. Et l'autre, il dort à côté de la baraque, quoi. Lui il est pas prêt. Ce que je vais faire, c'est tac. Que le mammouth, encore, on s'y attaque pas d'entrée de jeu, c'est normal, mais lui, dès qu'on peut, il va finir en balle, hein, sur lui. Lui, dans quelques levels, il est à nous. Non, mais clairement. Puis sachant qu'il est extrêmement utile pour planter et tout. Ouais, pour les plantations. Là, techniquement, on va pouvoir poser les deux plumards. Hein. Même Là, s'ils sont temporaires, on s'en fout. en même temps, j'ai capturé un, tu sais, le petit arbre morve là pour planter au départ. Ah, t'en as pris un? Ok, super. Ouais, comme ça, on est en dès le départ. Comme ça, on va aller chercher un téléphant et puis et le petit renard là. Ça va être bien. Ah, faut de la laine. On a plus de laine? Non, c'est pour ça que j'avais buté 2 moutons, moi. Pourquoi il s'est endormi là, lui? Lequel? Un L'herbe là? des. Non, un des moutons, il s'est endormi n'importe où. Peut-être même parce que je les ai mis et que leur lit n'était pas encore opérationnel. Ah, c'est possible. Il me faut un mouton. Dessine-moi un mouton. Non, j'ai dit un mouton, pas un oukrate. En gros, j'espère qu'on va avoir le temps de vous le faire avant la fin de la vidéo. Mais les petites créatures qu'on va vous montrer sont ultra utiles. J'espère aussi. En vrai, ça, si ils sont pas rares, ça devrait le faire. Non, ils sont pas rares. Hein.
m'en croise souvent. Ne t'inquiète pas sur ce point. Qu'est-ce qu'il y a ? Le bouclier juteux. Non, c'est excellent à faire. En gros, tu prends ton mouton et il se transforme en bouclier. Mais tu peux pas faire grand chose de plus en même temps. Ouais, c'est vrai. Il est pas très utile, tu vas me dire. Non. Je suis pute que tu as tué tous les moutons du coin. Non, même pas. Même pas. Cette accusation. J'ai dit que je supputais. Effectivement, nous en avons quelques-uns par ici. Alors toi, tu reviens là déjà. Là. Bon, je voulais pas te tuer, mais tant pis pour toi. Voilà, ça m'a fait de la laine, je suis content. En gros, ce qui s'est passé, c'est que vu que je me suis aggro avec le tu sais, le chat, fight, tout ça, tout ce qui va avec. Et en gros, il a envoyé une boule sur le valiste. Ouais. Et des gars de la milice est apparu pour le défendre, tout simplement. Et je me suis fait dég. Bon, l'hélice c'est fait. Ok. Hop, on améliore. Bah écoute, là, je me fais quelques balles. Non, ceci, flèche. Ah oui, pas loin avec ça. Puis on peut essayer d'aller capturer. Le téléphone et le petit renard. Le renard, ouais, qu'on veut mettre dans la ferme là. Sachant que le renard transporte aussi, hein. Il est très utile. Fais-moi quelques flèches en plus, toi. Oh, gros œuf feuillu. Oh, déjà? Oui. Putain, j'y crois pas, le mec. Et toi, t'as vraiment une chance pour trouver les œufs, c'est incroyable. Autant moi, c'est les shiny, autant toi, c'est les œufs. C'est ce qu'on appelle du talent, tricheur. Ouais, c'est ça. Il se la pète. Jamais, je n'aurais, voyons. Wow. Oh non, c'est vrai, pardon. Oh. Bon, tu ramènes ta fraise? Ouais. Je finis de... Ou je vais chasser tout seul. Je finis de m'enculer avec le pingouin, là. Avec le pingouin. Ah, tu veux quand même pas qu'on prenne un pingouin pour arroser, c'est bien qu'ils sont inutiles. Non, moi, je vais le mettre dans mon deck au départ. Le pingouin? Ouais, bah oui. Oh. Ah, mais c'est toi qui était à côté. J'ai cru qu'on avait un... Yep, là, un petit pingouin. Du coup... J'ai cru qu'on avait un shiny. On se retrouve au point de TP qui est juste à côté. Je suis à côté de toi. Ça tombe bien. Mais du coup, j'ai pas d'armes et pas de flèches, donc... T'as pas d'armes et pas de flèches? Ouais, je vais juste revenir en haut 2 secondes pour me réparer.
Ouais, vas-y. Et pourquoi pas me faire une ou deux flèches quand même en scred. Ah, vas-y, pendant ce temps-là, moi je vais récupérer 2-3 choses par ici. Tac, réparer. Réparer, il va me manquer du bois, je crois. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai mis la baraque en cours, enfin en pause un petit peu le temps de. Par contre, je trouve ça nul que, par exemple, on doit attendre 10 minutes pour des pales de merde. Je le dis, je parle franco, c'est des pales de merde. C'est... Oh, un œuf. Oh, allez, fais-moi rêver. En plus, il est inhabituel, le mien. Gros œuf sombre. Inhabituel. Inhabituel. Allez, hop. Bah, le miaou qui m'a cassé la gueule, bah, tu vas l'avoir. Ouais, avec un peu de chance, ce sera autre chose. Ah, je touche du bois pour toi, mon ami. Pour nous, tu veux dire? Bah, c'est toi qui l'as eu, il sera à toi. Oui, mais je veux dire, c'est... Tu mais, c'est tout... mais c'est bénéfique pour nous. Si on pouvait avoir un meilleur combattant plutôt que l'espèce de miaouss chauve-souris, là... Oh, ça serait fou. Moi, il y en a un que je veux absolument. C'est le tigre de feu, là. Oh là là, gros... Tigre de feu, celui que j'avais là? Non, un autre. Un tigre de feu avec des flammes bleues. Oh, nice. Et ah oui, j'avais capturé un piaf. Une espèce de. Tu sais, les wyverns que t'avais là? Ouais. Mais de feu de nuit. Oh, excellent. Genre, il avait le feu bleu. Des trucs bleus sur le. Oh là, c'est vrai. Faudrait qu'on me retourne vite fait sur la partie que je te montre toutes les découvertes qu'il a fait quand même parce que. Du coup, ce que vous savez peut-être pas aussi, pendant que j'y pense, et je ne suis pas sûr que notre cher NL vous en ait parlé, c'est que de nuit, vous avez d'autres pales qui apparaissent. Les pales nocturnes. Effectivement, je n'en avais pas encore parlé. Eh ben voilà, bah bravo. Excusez-moi, je suis là. J'étais très occupé à charbonner. Mm-hmm. Ce sont des... de toute façon, ce sera quasiment et constamment que des pales nocturnes, mais on peut espérer avoir quelques pales un peu spécifiques de nuit aussi. T'as peut-être te rentrer, toi. Laisse faire sur moi. J'en ai eu quelques-unes. De là à dire 13, non, j'en ai que 2. T'en as que 2? Ouais. T'en filer quelques-unes, du coup. Attends, mais je peux m'en faire quelques-unes. Fais-en quelques-unes. Je vais en faire 8. Tac. C'est que je me faisais pas mal de flèches, vu que du coup j'en avais plus du tout. Des flèches, j'en ai 12, moi. Je sais pas combien j'en ai exactement là, mais. Ça va être l'avantage d'avoir notre nouveau camarade qu'on va aller chercher. C'est que eux, justement, ils récupèrent des pal-balls, ils récupèrent des flèches, ils récupèrent de l'or aussi. C'est des petits renards, c'est des petits filous et ils vont bien. C'est pour moi, en tout cas, à mon avis, c'est le pal le plus cheaté que... Au début au début, même pour l'avenir, pour la ferme en tout cas. Attends, est-ce qu'elle se met dans la ferme ou dans le ranch? C'est ça le truc. Dans la petite ferme. La ferme qu'on fait au départ. Ok, donc ça veut dire que c'est, pour moi, comme je dis, le pal, d'ailleurs ce sera le titre, on capture le pal le plus cheaté. Let's go l'ami. J'arrive ma poule. Allez. Et tu vois, c'est lui là. Lui là, tu mets une flèche, tu vas voir des mecs de la mise débarquer. Ah ouais, donc du coup, en fait, c'est un miss shot quoi. Non, c'est même pas moi. C'est... Non, vraiment, tu verras sur la vidéo quand ça tira. C'est clairement lui qui. C'est par là qu'il faut aller? Ouais, il faut passer par la plage. Comme ça, en même temps, on va récupérer un typhon. Let's go. Je vais graillou. Hop. Faire de même. Récupérer quelques baies. Gros? Quoi? Ouvre tes yeux. Il y avait quoi? Un œuf gelé. Oh, je l'avais. Moi, oh, je suis dégoûté.
Bon, je suis dégoûté, non, mais tu l'as vu, Bon, donc ça va. c'était un œuf gelé normal, hein, donc. Oui, non, mais tu l'as quand même vu, donc ça me dérange pas. Hein. C'est une sphère, ça, ou... Non, c'est un morceau de palladium, mais tu Non, peux mais... ramasse-le quand même. Tu veux les récupérer, ça aussi? J'en ai toujours eu un dans mon deck dès le départ, j'aimerais bien en avoir un. Moi, c'est plutôt les... Bon, il y a un coffre. Pendant qu'Enel casse du pal, moi j'ouvre des coffres. Ah! Putain, il nous faut une clé en bronze qu'on n'a pas. T'as une clé en bronze, toi, ou pas? Normalement non. Dommage. Attends, mais wesh, il a pas été capturé. Il est en train de se faire... Il est en train Mais de se faire 80... bolos, quand même. 81% s'il te plaît, hein, le respect. C'est bon, tu l'as eu? Là, du coup, hop, Attends, moi, je j'envoie. vais récupérer le coffre qui est là-haut en vitesse. Non, Alors, mais il clé en y a une bronze. pale ball juste là, je viens de la voir. Tu vois. Non, malheureusement, pas de bol, pas de clé. Mine juste là aussi. Il y Parce a ton que. Fox Park qui est en train de se fight, apparemment. Oh, de toute façon, il est en train. L'autre il se cassait. Il se défonce avec moi. Putain, faudrait que je répare mon vêtement. Du coup, du. Allez, baise-lui sa mère Ah. là, Fox. Tu fais quoi là? Tu t'es cru en vacances? Ah, j'ai utilisé une... Ah, tu veux le capturer? Mais bon, on s'en on n'en parle plus. Prends le fluide. Yeah! Ouais, j'y vais, j'y vais. Parce que, aussi, les amis, faut savoir que. Pour faire. Du coup, attends, je vais débloquer ça. Et ça, mais du coup pour faire ça dans le futur, il vous faut des fluides de pal comme vous pouvez le voir là sur l'image. Et Des fluides de c'est pale bleue. voilà, et c'est du coup les pales de dos. Ah, un téléphone Y a là-bas. un Tifan, ouais, je le vois. C'est du coup les pales Les pales d'eau. pales d'eau qui font ça. Oh, il y a une sphère. Récupère là. Y a une sphère, il y a un coffre. Attends, faut le terminer. Ah bah non, c'est bon. Je lui ai mis une 98, flèche. il est bon. Il peut être que bon. Bah tout à l'heure il était à 86, je me suis fait niquer, gros. C'est bon, Tiffan est avec nous. Hop. Tu vas récupérer le coffre, c'est ça? Ouais, hop. Moi, je vais récupérer la statuette. Des flèches et de l'or. J'ai récupéré au-dessus du coup la statuette. Si on peut capturer des cochons au passage, on prend. Yes, même si pour l'instant c'est pas vraiment notre priorité principale. Il y a des braconniers là-bas. Ouais, c'est vu, mais les braconniers, on va se les faire à la masse. On Ouais, et dégage nos puis... flèches là-dessus. Surtout level 1. Il est tout seul en plus, le pot. Ah Alors, non, le ils sont deux. bra... Ouais, mais de toute façon, c'est des braconniers de pacotille, ça. Oui, oh! Blouah, qu'il a dit. Même pas besoin d'intervenir. C'est toi qui regardes, hein. Ouais. Et tu l'as laissé tirer dessus! Ça rechargeait, gros. Ah, du coup, c'est où? Alors normalement, il pop dans le coin. Là-bas, t'en as pas un? Non, c'est un Pokémon électrique, ça. Enfin, pas l'électrique. Dans le coin, bah, on va se séparer, on va voir. Yes. Alors, moi, je vais juste prendre l'image sur le Elle est côté. belle, cette image. L'image du. Non, mais l'image du pal. Pour voir à quoi il ressemble. Allez, on a 15 minutes pour 15 minutes max pour le trouver. Voire 20. Parce que je vais me faire plaisir à Fafi. Pour l'instant, je trouve du crémi, c'est pas ça normalement. Là où je suis, il n'y a pas. Tu vas voir qu'on n'aura pas de bol, qu'ils n'auront pas popé. Bon, moi, je suis en direction d'un œuf, du coup, parce qu'il est en train de me tendre les bras. Ouais, accepte-le, hein. D'ailleurs, c'est même bizarre qu'ici, il n'y a pas d'œuf. Je sens que je suis en train de Bah, partir dans un truc, là, j'ai je vois même oublié. un œuf juste en face. Sur l'autre montagne. Et oui, les œufs, ils ont tendance à se planquer. C'est un coffre, ça, là-bas? Eh oui, c'est un coffre. Alors, c'est un aquatique. Et certainement en normal. Ouais, en normal.
Ça, je m'en Alors, suis pas douté. ici, Ah putain, j'ai encore un autre œuf là! Non, mais sans déconner. que du bonheur. 3 œufs, quoi. Par contre, l'autre, va falloir aller le chercher, ça va pas être simple. Hop, j'ai un cochon. T'as réussi à en choper un? Ouais. Ah, c'est cool. Là, j'ai un Capriti, mais le Capriti, je préfère l'éviter en. Il est niveau 13 quand même. Ouais, si tu veux pas te faire violenter. C'est ça. Et on a un deuxième cochon. Nickel. Merci leur cochonceté. Comme ça, au Là, on moins. n'a pas de bol. Il devrait être là. Oh, je vois un œuf là-bas, là. Il m'intéresse de fou. Mais les œufs nous intéressent toujours. Hein. Ah, mais je crois que c'est un gros. Peut-être que je le vois de gros loin, mais que ça ne l'est pas au final, donc je vais Non, m'approcher. non, c'est pas obligatoire qu'il soit gros, malheureusement. T'as l'impression. Tu pries pour qu'il soit gros, mais. Non, mais ce que Mais pas tout le temps. tu vois visuellement s'il est gros ou pas. Je viens de choper un ordinaire de base. Là, j'ai un œuf normal. Alors, celui-ci, j'essaie d'aller le chercher. Que je vais réussir à grimper tout en haut. Là. Et là. Non! On va essayer cette corniche-là, du coup. Oh, je viens de niquer le game, gros! Qu'est-ce que t'as fait? Oh! J'ai sauté d'une falaise. Ouais. Et au lieu de, tu sais, que tu sautes d'une falaise, tu peux te rattraper en escaladant au dernier moment ou autre, tu vois. Et bah, Ouais. c'est ce que je viens de faire pour éviter de prendre des dégâts. Ben, GG. Ça va Ça va partir être sur plus un petit chaud clip, que je ça. le pensais pour la récupérer, celui-ci. Attends, je te vois en dessous, c'est lequel que tu veux récupérer là? Y en a un juste au-dessus, en fait. Mais attends, mais tu. Bah, monte tout au-dessus, Bah, tu dois avoir un œuf, normalement. c'est ce que j'allais dire, tout au-dessus. Ouais. Normalement, t'es censé avoir la même flèche qu'en face. C'est une flèche rocailleuse. Et je viens de voir un autre œuf en face aussi. Bah, j'ai fini en bas. T'as fini en bas. Oui, Sérieux? alors si tu parles de la flèche rocailleuse au-dessus de celle-là, Ouais. j'en ai pris un moi qui était au bout. Ouais. Donc je sais pas si tu me parles de celui-là. Ah bah c'était celui-là, ouais. Certainement. Et j'en vois même encore un là-bas, un Ouais, œuf. justement, je viens de le voir aussi, je vais y aller. Tac. Y a encore un Capriti qui traîne là. Il y a même deux Capriti qui traînent. Mâle femelle, donc autant vous dire que c'est pas le moment de les attaquer. Y en a un là, de ceux qu'on veut. Oh, attends-moi, attends-moi. Attends, est-ce que je suis parti prendre une statue verte? Un Lifmunx, pas de bêtises. J'ai essayé de l'attirer. Viens là! Il se barre! Il est en train de se barrer à travers la flotte là. Si tu l'attaques, il va revenir. J'ai attaqué. Voilà. Pendant que je suis là-haut, est-ce que je prends l'œuf ou pas? Ouais, vas-y. Vu que t'es à l'autre bout, je vois. J'essaie de le suivre via. Alors, en fait, là, je suis dans Ouais, le. dans l'épave. Enfin, dans l'épave, dans la carcasse, je crois. Et ça. Il se barre, mais d'une force. Hop, œuf ordinaire. Se fout de moi, ce truc. Alors ça va les amis, si on arrive à le capturer vraiment, on se met bien Ah, on se met bien là. pendant un petit moment là. Et tu te rappelles du Shiny que j'avais loupé qui était par ici? Ouais. C'était un Lifmunx. Oh putain.
Là, Il est passé où? c'est une sentence, hein. Mais grimpe! Non mais c'est une blague. Je peux pas grimper. Bon, il est lost. J'ai pas le choix, malheureusement. J'arrive pas à grimper et je suis en fatigue. La sentence, elle est tombée. Hein. M'énerve ça. Du coup, tu l'as déglingué? Non, non, je l'ai pas déglingué. Je suis en fatigue, je suis en train de nager. Ouais, Je suis. mais il est toujours là-bas. Le problème, c'est que il a complètement disparu, donc il y a même des chances qu'il ait des pops, tu vois. Alors attends. Hop, mon énergie vient de remonter. Ça me manquiquinerait qu'on le loupe. Moi aussi, et là j'en vois pas. Je viens de choper une méga sphère. Bah, des pops. Bah, va falloir s'en trouver un. Attends. Non, me dis pas qu'il est parti tout là-bas. Mais quelle blague! Ça va, du coup. Je crois que je le vois, mais ça va être chaud de le récupérer. En plus, je viens de voir un coffre en haut, là, je vais aller voir ça. Même pas, c'est des typhons. Arnaque totale. Scam! Non mais pourquoi il veut pas grimper? Il grimpe, accroche-toi! Ouais, c'est peut-être Oh. que t'es en manque de d'endurance, mon gros. Non, j'étais full, mais j'ai glissé, il a pas voulu Par rattraper le contre, moi, je mouvement. vais récupérer un autre œuf qui est là-bas, du coup, hein, pendant que j'y suis. Même deux œufs. Oulah. Oh là, enfin, fais gaffe. C'est pas normal ce qui se passe là. Ouais. Ah non, c'est pas. Non, c'est un œuf et une statuette. Je fais une bêtise. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai confondu, là. C'est bien ce qui me Mais. semblait, c'était pas normal. Alors, celui que je vais récupérer est un pyro. Hop, je viens d'avoir une petite sphère qui fait plaisir. C'est un pyro classique. Hein. C'est pas un gros. Donc. C'est déjà ça, tu vas me dire. Ah oui. Avec un peu de chance, ça nous sort celui que j'aime bien là. Puis là, le renard, il est mis à la retraite. Hein. Le renard, il a la retraite. Il aura même pas commencé à travailler, il sera déjà à la retraite, miskine. C'est ça. Bah, fin, attends, je pense qu'il aura le temps de travailler parce que d'ici là qu'on puisse sortir un œuf, Non, ça va pas se faire tout de suite. ça va être assez rapide, hein. D'ici, normalement, le prochain épisode, on pourra commencer à incuber. Alors j'ai un autre œuf devant mes yeux ébahis, incroyable, mesdames et messieurs. Comment ça, ce n'est pas la première fois que je pars ici, c'est faux. Ah mais t'es pas loin, gros. Ouais, Je oh, vois ton culot. méga sphère, boum, bitch! Ouais, j'en ai chopé une aussi. Bah là, il y a que 10 petits ploufs. Je les appelle comme ça, hein, c'est pas leur blaze, hein, mais. Ouais, mais on les appelle comme ça, nous. Tac-tac. Ils veulent que je fasse un Alors, génocide, là, me. il est possible également que il y ait certaines heures où certains pâles apparaissent à d'autres. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans le descriptif, il y a le à l'heure qui spawn? Je ne saurais te dire. Alors, j'ai trouvé un autre T'as un œuf? œuf. Ouais. T'inquiète pas, je m'y dirigeais. Un œuf de terre. Ah, moi j'ai un œuf de terre qui m'avait sorti une espèce de poisson terrestre, là j'étais mort de rien. Ah oui. C'était là où j'avais la chatte avec les œufs, justement.
Ouais. Là, on va être. Wow, c'est moi où l'éclairage vient de. Normal, on arrive sur la nuit. Ouais, il vient de tomber d'un coup là. On a vraiment pas de bol. Le seul que j'arrive à croiser, s'il te plaît, il dépop. Boum. Ça fait chier, en plus c'est pas un truc rare normalement. Bah non, normalement, on en voit assez souvent, quoi. Là, c'est de la faute à pas de bol, hein. Non, je suis sûr que c'est le jeu qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. Comme s'il avait déjà réussi. Contre, en termes de cause, j'avoue que Hop, là. bonjour l'œuf anguleux. Il était devant tes yeux. Devant mes yeux. Il y avait un œuf anguleux. Alors, si j'étais au-dessus, ça veut dire que je le voyais pas, c'est normal. Hop, je prends Ouais, très DB. légèrement, tout du moins. N'oublie pas de prendre DB. Oh, t'inquiète, normalement j'ai encore de quoi faire. Ouais, c'est surtout pour les loustiques à la maison parce qu'il y a toujours pas de. On Ouais. a toujours pas mis le truc de paix. Bah là on va pouvoir, hein. De toute façon on a le type loup, on a le Tifan. Le tas de morts. Et ouais, mais là de nuit, ça va être baisé pour l'avoir, non? Il me reste 4 flèches, hein. Enfin 5 flèches plutôt. Non, on peut l'avoir. On peut l'avoir s'il y en a un qui a popé et qu'on arrive à le choper, mec. Ouais, il ne reste plus que 10 minutes, les amis. 10 minutes. Alors, éventuellement, je peux pousser une chouille de plus. Attention. Non, mais c'est même juste pour l'épisode, hein. Ah, On est déjà à 51 minutes d'épisode. bonjour le coffre. Ah bah parfait, des flèches. Grâce au coffre, tu sais combien j'ai de flèches? J'ai 93 flèches. Ah bah ça va, t'es bien toi. Ah, les flèches, ils m'ont régalé, hein, les coffres. C'est Ça quoi, c'est... lui là-bas, il me fait du regard depuis tout à l'heure. L'électrique. Ah. Ah, on a des cochons qui dorment là aussi. Petit plouf, il attaque d'envie de ce con. Mais y a que ça. Qu'est-ce que... Allez, attaque tonnerre. Non, attaque flamme. Merci mon pote. Ouais. Bon, Du bah, il y coup. avait un braconnier. D'accord. D'accord. Il dormait, je suis arrivé, j'ai mis des grands coups de matraque. Il Oh non, non, non! dormait là comme ça, au calme. Ah ouais! Le deuxième vient de subir la même chose. Ah, c'est vraiment pas de bol quand même là. Ouais. Ça fout un peu le seum. Pour le premier épisode, ça aurait été une petite dinguerie. Ah, ça aurait été une petite pépite, ouais. Faudra attendre, messieurs, dames, le deuxième épisode pour voir de quelle bestiole on parle. Ça m'agace. C'est qu'en plus, tu l'as eu vers là, vers la plage, non? Ouais, il était vers la plage. En fait, il courait comme un ouf en direction du squelette. Et puis après, il a disparu. Là, c'est des éléphants. J'ai pas eu une clé. J'ai pas eu de clé, moi. Est-ce que j'ai regardé, Dommage. mais non. Presque envie d'aller voir là au-dessus. Ouais, 20, moi je vais juste regarder de l'autre côté. Putain, au pire des cas, je viens d'avoir une petite idée. Ah, au pire, on peut tenter une petite ellipse vite fait, histoire de. Ouais, la limite. Allez, petite ellipse, les amis. À tout de suite. À de suite.
Au moins, même si... Donc là, les amis, je reviens, on revient rapidement, il y a une ellipse, on revient, tac. J'ai capturé un lama, et Fafi, là-bas, il est en train de capturer notre beau... Notre nouveau camarade, notre dont j'ai camarade éventuellement le nom. Tuté. Voilà. Tu pourras nous le dire, genre... Oui, je le dirai en le présentant. On va... Tu sais quoi? Je te laisse le capturer, je t'attends à la base, très cher, hein. Mais il est déjà capturé, Jérémy, j'y reviens. Allez, let's go, on se retrouve à la base. Et ça sonnera la fin de l'épisode, mais on va quand même capturer le pal... Là, enfin, en tout cas, pour le moment qu'on connaisse, le pal le plus cheaté du jeu, Au début. en farm passif. Et Donc je ça... suis sur le retour. Allez. Donc nous les amis. Ouais, Ouais. j'allais dire tu veux refaire une ellipse, mais apparemment. Non, t'inquiète. Tu sais que t'arrives au téléporteur, tu prends et tu Ouais, remontes bien sûr. directement à la base. Nous les amis, en attendant le deuxième épisode, ce qui se passera, c'est qu'on va pas forcément aller faire de l'exploration, parce qu'on va essayer de garder ça un peu pour la vidéo. Pour les vidéos, ce qu'on fera nous hors vidéo, on va essayer de farmer pour déjà faire faire notre base et faire en sorte que Yes. notre camp soit plus haut level. Voilà. Si je te dis patron d'habits traditionnels des tropiques, t'es content? Et si je te dis, j'ai pas compris. What? Valen? Hein? Non, c'est que je viens de revenir et puis eux là-haut, ils ont fermé en attendant. Ah bah oui, forcément, oui. Non, je te dis, on a un habit des tropiques inhabituel en patron. Le plan. Alors, c'est bien, mais dans un sens, je te dirai hors vidéo pourquoi c'est compliqué de dire c'est bien ou pas bien. Ça roule. Tu verras tout à l'heure. Échecs qui sont compliqués à fabriquer. C'est même pas ça, c'est que tu peux en fait, t'en as, bon, je vais le dire quand même, mais t'as toujours en fait t'as le côté où genre c'est tu te fais des pièces antiques à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je te dis c'est compliqué à fabriquer. Et ça, en fait, ça te baise à chaque fois tes trucs. Bah, Donc. c'est surtout qu'il faut aller farmer des donjons. Oui, non, mais à chaque réparation, c'est ce que je veux dire, même. Ah, même pour les réparations? Voilà. Ah, chaud! Parce que dans la partie où on était, j'avais une plume, c'est la plume. Et Mmh. je l'avais en inhabituel, justement. Et voilà, j'ai vu le truc, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Ça part de là, et du coup, j'avais en retiré la plume. Après, tu me diras, farmer les donjons, c'est pas ce qu'il y a. Non, en plus, ils sont simples, donc ça va, en vrai. Me voilà! I'm here! Alors, je vais réparer ma veste. Et let's go dans l'allée. Comme ça, en même temps, on pourra faire la petite miniature des familles. Hop. Et en plus, il est ultra choupi. Donc. Le voilà! Le Alors. Dixie! Le Vixi. Et ça, c'est parfait, ça, c'est ça. Et ça, Et peut-être quand que. tu penses que j'ai loupé un shiny comme ça l'autre jour, qu'est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que je suis blasé? Là c'est le ban. Red. Ah, Red, Ouh, bon bah. pour la fin de la vidéo, le petit raid des familles. Ils Oh, arrivent d'où? ils arrivent d'en bas. Bah ils sont deux. Oh. C'est une blague. C'est pas une blague apparemment, du coup. Ils sont que. Non, deux ou trois. Trois, pardon. C'est quoi qui nous attaque? Ah mais c'est des braconniers. Allez. 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 Donne-moi. Donne-moi. Trois de moi. Et voilà le travail. Hop, mode aspirateur. Bon, du coup, en plus, ils étaient vraiment éclatés. Ils ont même pas atteint le camp, donc. Non, mais en même temps, on l'aura pas non plus laissé le choix. Pour vous dire. Bon, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On arrive à ou 1 heure de vidéo. Du coup, voilà, vous le savez maintenant, nouvelle série sur Palworld. Petite dinguerie qui va s'annoncer sur ce jeu. Parce que il est complet, il y a tellement de choses à faire que c'est. Et personnellement, je suis obnubilé en ce moment par ce jeu. Obnubilé. Ouais, arrête, s'il te plaît. Mais du coup, avec Star et ce jeu, ça va être une petite dinguerie. Bon, bien entendu, avec Fafi, on vous réservera toujours, je pense, un ou deux épisodes par-ci par-là de Ranch Simulator. Bah bien sûr.
Mais ce jeu va nous prendre, je pense, énormément de temps Il y a le traiteur Tesha. à l'avenir. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et bien entendu à vous abonner. Sur ce, à la prochaine. Tchuss! À bientôt!